Checker l'ensemble des spécialités avant de se lancer dans une spécialité et ne pas mettre de côté la santé au travail parce qu'elle est extrêmement intéressante. Je suis Assia Meyer, je suis médecin du travail depuis maintenant 25 ans et je travaille dans le groupe Servier. Mon métier de médecin du travail est un métier de préventeur. Il y a souvent des questions et des doutes sur ce que sont que les rôles et les missions du médecin du travail. Donc effectivement, que ce soit du côté des collègues médecins qui ont peut-être des questionnements sur le rôle, ou aussi de la part des salariés qui n'ont pas forcément, qui ne savent pas à quel moment je peux intervenir et à quel moment je peux apporter une aide concrète. Une crise aiguë qui survient dans un service ou un conflit brutal et qui fait qu'on va descendre voir le médecin du travail en appelant quelque part un peu au secours. Quand j'arrive au travail, je vais directement à mon poste informatique, j'allume mon ordinateur, je check mes mails, je vérifie qu'il n'y a pas une petite urgence à gérer rapidement. Il y en a souvent. Quand tout est OK, je vais prendre mon café. En démarrant l'activité professionnelle de médecin du travail, on peut compter sur 2 500-3 000 euros pour démarrer par mois en net. Après une petite vingtaine d'années, on peut considérer que le salaire est doublé. Checker l'ensemble des spécialités avant de se lancer dans une spécialité et ne pas mettre de côté la santé au travail parce qu'elle est extrêmement intéressante.